Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Donc, je voulais vous montrer ce que j'ai envoyé à Maude, donc Nuit Parisienne sur Instagram. Donc, je lui ai demandé si elle voulait faire un petit échange Market Square, parce que je sais qu'elle aime cette collection. Donc elle m'a dit oui, donc je suis contente. Et donc je disais dans ma précédente vidéo là, que j'ai envoyé mon swap Saint-Valentin à Maude, que finalement cette collection je l'aime bien. J'étais pas trop fan, j'aimais bien, mais bon, sans plus. Et finalement, je l'aime beaucoup. Bon, elle n'est pas dans mon top 5 des collections McDiom's, mais je la trouve jolie quand même. Donc, du coup, je lui ai fait un book. Alors, du coup, j'ai utilisé ma nouvelle silhouette Cameo 4 Pro. Donc, je l'ai découpé avec mon premier projet 3D. Donc c'est un book sur Silhouette Studio. Et j'aime bien moi les côtés arrondis comme ça. Bon, ce qui est pas terrible sur Silhouette, après je sais pas pour les autres logiciels, mais c'est qu'il n'y a pas de tuto. Donc heureusement j'ai vu un tuto pour l'assemblage sur YouTube. Hein. Donc voilà, ça donne. J'ai mis un petit napperon, des petites feuilles d'or, rose gold plutôt. Alors je sais pas si vous voyez, mais j'ai mis des petits bâtons de, comme les bâtons de sucette. Voilà, j'en ai mis trois en dessous. Donc là j'ai mis une petite barrière. Voilà. Petit ruban blanc, voilà. Je fais de la couture. Voilà. Et du coup, ça s'ouvre tout simplement comme ça. Alors en fait, faut faire attention là, c'est que moi j'ai mis les die cuts, vous voyez, là. Donc du coup, je peux pas bien ouvrir. Bon, ça les abîme un peu sur la pliure là. Donc du coup, donc là c'est comme ça. J'ai mis une petite carte là de la collection. Un petit pot de paillettes. Et alors là, c'est des sachets de. Un petit sachet de die cut de la collection. Et je lui ai fait un flip tag. Alors là, je l'ai fait sur un die cut en, je vais dire en vélum, en acétate. Voilà, peut-être comme ça. Bon, j'ai mis des petites perles, des papillons. Derrière, c'est comme ça. Ensuite, j'ai utilisé le petit cochon pour rire ces animaux. Un petit charme fraise. Ticket, ticket, ticket. Un peu de tulle. Oh, une sorte de tulle, hein. C'est pas du tulle, mais bon. Après, je lui ai fait un die cut où j'ai mis du tulle et j'ai mis des sequins. Un petit checker. Petite abeille. Je trouvais trop beau ce tag. Avec la fleur là. Donc du coup, ben, j'ai juste rajouté des petites étoiles. Et les puffy. Ben, elle est belle, hein? Rose. Donc là, il y a le petit oiseau.
Il est mignon, hein. Là, j'ai mis des petites sequins sur la fleur, des énamels, d'autres. Voilà. Non, franchement, elle est belle, cette collection. Là, j'ai juste rajouté Love You, les petites étoiles, le cœur et le papillon. Ça, c'est une perfo, j'adore. Je l'adore, cette perfo. Elle fait trois papillons. Non, bah, vous me direz ce que vous en pensez, mais finalement, ouais. J'aime beaucoup cette collection. Voilà. Et du coup, en fait, je voulais tester l'autre possibilité de mon Dyes machine à écrire que je vous avais montré, que du coup j'ai fait avec la même collection. Donc là, j'ai testé la Memory Dex, le Rolodex, quoi. Bon, du coup, ça donne ça. Bon, c'est plutôt simple devant. Et en fait, après, j'ai remarqué que vous allez bien voir. Hein. Hop, quand je tourne, bah ça passe pas. Ça passe pas. J'ai vu ça que après, je me suis dit, ah ouais, en fait, le Rolodex, pas vraiment Rolodex quoi. En fait, il y a ça remonte là. Normalement, c'est ouvert. J'ai vu ça qu'après. Bon bah du coup, Maud, tu pourras pas faire un tour. Hein. Un tour complet. Ouais. Et même là, normalement, il n'y a pas de retour. Donc du coup, bah, bon, ça touche un peu. Mais bon, tant pis. Donc du coup, j'en ai fait trois. Donc si Maud, tu veux en rajouter dessus. Hein. C'est un mini mini, hein. Du coup, la première, ça donne ça. La petite maison là. C'est chou, le petit dies. Tout petit. La deuxième. La dernière. Avec le vélo. Voilà. Mais ouais, du coup. Voilà. Donc sachez que voilà. Si vous l'achetez, ben en fait, vous ne pouvez pas faire un tour complet. À moins de. Ouais, non, je vois pas. Parce que si on enlève là, ça va pas tenir. Je sais pas. Hein, mais bon. Donc voilà, l'autre possibilité du die. Ah, mais le plus chiant à faire dans ce die-là, c'est les poignées. Franchement, ça c'est relou. Ça met de la colle partout sur les doigts. Voilà. Mais bon, je trouve qu'il est chou quand même. Hein, parce qu'il est tout petit. Donc voilà pour Maud, pour la collection Market Square. Donc, j'espère, Maud, que t'auras aimé. Hein. Parce que moi, j'aime bien. Donc, merci d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Hein. À me mettre un petit j'aime, à me laisser un commentaire et à vous abonner. Au revoir!